On passe d'un tableau qui se mesure en mètres, quelque chose qui se mesure en millimètres. Donc, pour essayer de retrouver l'atmosphère du tableau, pour essayer de retrouver l'impact du tableau de base, là, c'est une question de deuil personnel et de formation artistique. Quoi enlever, quoi rajouter, où insister et où ouais, atténuer certains détails. C'est difficile de calculer le temps qu'on passe dessus, mais quand on me propose une peinture, j'aime bien disposer de 2 mois. On ne peut pas travailler dessus 12 heures par jour, mais il faut s'arrêter, il faut regarder ailleurs, sortir les yeux de la binoculaire et puis revenir. Il y a des moments où ça marche pas, ce n'est pas les bonnes couleurs, ce n'est pas les bonnes épaisseurs, puis d'autres moments où ça tourne rond, où ça coule bien, et puis il faut essayer d'exploiter ces moments-là. Ça se fait au petit pinceau, à la petite pointe, en avant, en arrière, on enlève, on remet. Il faut gérer l'épaisseur des couches pour que ça ne produise pas des bulles à l'intérieur. Il faut bien les cuire, mais pas trop pour pas brûler les couleurs. Mais il faut beaucoup de calme, du silence, il faut être bien dans sa peau. J'aime bien dire qu'il faut avoir la conscience tranquille. Il faut adapter même sa respiration avec les mouvements, avec les touches de peinture. Des fois, on retient son souffle pour poser à la bonne place. On a l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on fait des tout petits mouvements, mais pour maîtriser ces petits mouvements, il faut vraiment être d'un calme absolu, quoi. C'est un travail de bénédictin. Il n'y a pas de place pour les grandes envolées. Je crois qu'un émailleur, il peut être que discret et puis caché dans son coin. C'est là qu'il fait du bon travail.